Bonjour à tous et à toutes, c'est Spanier1859 pour cette vidéo. Mon setup 2016. Excusez-moi, ça commence bien. Donc, on va commencer. Donc, l'écran carré que j'ai ici, il est bien carré. C'est un Philips 590V. C'est un écran quoi. Qui en fait, ça ce n'est pas un ordinateur, c'est juste un écran. Et l'ordinateur est là. Donc la vidéo, c'est mon Raspberry Pi, donc ma framboise. Mais que je l'ai présenté dans la vidéo de présentation. J'ai un ordi principal où je tourne mes vidéos. Voilà. Un 21,5 pouces. J'ai le clavier qui va avec et la souris. Donc que j'ai acheté chez Logitech. Le clavier qui va avec le Raspberry Pi, ici. La souris qui est livrée avec l'ordinateur. Ma voleuse. Donc ça, vous allez me poser la question. Il y a l'écran. Il y a deux ordis et il y a mon réveil qui est nul à brancher. Comment je fais? C'est tout simple. J'en branche trois ici. J'en branche un ici. Donc avec une rallonge. Hein. Donc ce qui est branché ici, c'est le Raspberry Pi. J'ai mon téléphone qui est très nul. Il ne fait pas le coup en vidéo. Bien sûr. Alors c'est dur de débrancher ce machin. Et non. Voilà. Il me fait tout le temps le coup de ça. Voilà. Donc c'est nul. J'ai des enceintes. Qui sont derrière en vrac, qu'on peut légèrement apercevoir. Donc une ici et une en vrac ici. Ah, c'est chaud. Que je ne branche pas parce qu'il faut aussi brancher l'électricité. Oula. J'ai une autre tablette. Qui est là. Non, pas là. Ici. Si je la retrouve, elle est là. Que je ne me sers plus du tout. Pourquoi? Ben parce que... Non, si j'ai plus servi le bouton. Parce que vous allez voir. Bon déjà. Je crois qu'elle n'avait plus de batterie. Mon lit est juste à côté. On s'en fout. J'ai le câble d'alimentation branché avec une rallonge pour le Raspberry Pi. J'ai déjà les doigts, les écrans. Très pratique. Oula. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai mon autre tablette qui est quelque part que je ne citerai pas. Voilà, j'ai tout un bazar de films et je filme avec ma tablette Samsung, oui. Alors voilà. Ce que je constate, c'est qu'elle rame. Voilà. Il y a un code et je ne me souviens plus. Donc elle me tient sûrement pas l'heure. Et
C'est grand, on a bien sur power et volume. On peut la remettre à zéro. Mais bien souvent elle démarre. Et elle ne fait pas la manip. Donc là elle m'a pas fait. Elle a pas pris en compte la manip. Je la rééteins. Ok. Donc, si j'ai de la chance, voilà le bouton power et volume là. Voilà les prises. Et puis en même temps sur les deux. Voilà. Donc au final, j'arrive pas. J'ai fait plusieurs essais, plusieurs machins. Non, j'arrive pas. Plus tard, je ferai une vidéo où je démontrerai cette tablette. J'essaie une dernière fois. Qu'on soit d'accord. C'est le bouton volume et le bouton power. Qu'on soit d'accord. Plus les boutons ils sont nuls, donc on va pas faire toute la vidéo sur cette tablette. En tout cas, j'ai pas de menu. Donc là, ma framboise elle s'est mise en veille. Donc là, j'ai mes écouteurs qui sont livrés avec ma tablette Samsung. Là, je vous le cache parce que j'ai envie. Là, du coup, je branche un adaptateur HDMI vers VGA pour brancher un câble VGA à mon écran. Le câble d'alim. Il est tombé, voilà. Ouais. On a dit qu'il s'est mis en veille. Et puis, bon, bah. J'ai aussi ça. Ouais. Mon casque. Voilà. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Je vous dis bye bye. Et bon, bah, toujours, peace and geek.